L'espoir que l'indépendance s'y a porté fit tourne en poussement. FMI, la Banque mondiale, qui peut mettre pression pour éliminer l'éducation gratis, ferme collège, coupe bonne subvention. Mais moi, tu résistais à dictat la Banque mondiale et FMI. Nous y mettons au travail et le peuple t'y rallier derrière moi pour faire l'impossible l'impossible. Et moi, je veux dire, moi, je veux appeler mon camarade Paul. Mon camarade Paul nous connaît, nous avons gagné la discussion, nous avons dit à moi, nous avons bien nous avons coopérer avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, nous avons pour les autres. Si nos pays pour foutir. C'est là qui m'a dit, je fais penser à nous dire comment tant ça vous l'a causé. Et vous l'avez fait maudit sans lui. Alors, dit ça vous l'a bien dit. Qui moi, je viens d'otage certains ministres. Pour faire les rappels en 82-83. Et même si au pouvoir, pour tirer ensemble avec moi-même, petit premier ministre. Et lui, tu le prends moi l'otage. Moi, il résistait, moi, il a voulu promener, grand promener. Moi, il sortit à moi-même, moi, il a formé une autre partie. À partir de 83, moi, il commence le travail que moi, je voulais faire pour sa pays-là. Contraire à ce que lui, tu voulais faire. Lui, tu voulais faire un système communiste dans le pays-là. Nous, gouvernement démocratique, nous, système. Si vous voulez sans dire. Et ça vous l'a dit, je n'ai tout fait, une vieille. Quand mon fils refuse de venir sur l'otage, elle vous dit, moi, pour venir l'otage à mon ministre. Et ça, pourquoi ça? Effectivement, grâce à la bonne décision que tu prends à l'époque, nous avons réussi à faire le pays développer et tenir ce que le monde appelle miracle économique milicien. Alors, je dis, vous voulez faire ou quoi? Qu'ils n'ont aucun miracle économique dans le pays. Il dit, ça, il faut que vous m'en qu'est-ce qu'il te dit? Ça, ça fait miracle économique milicien. Pas nous qui tiendrons ça. Vous connaissez ça, une des vidéos, le monde entier, il me reconnaît. Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il me reconnaît. Qui nous fait un miracle économique dans le pays. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas tiré dans un aucun miracle économique et pas pour là encore. Mais ça a été causé là. Débéranzé. Moi, je suis fatigué d'entendre ça. Et moi, ça va me poser là, il passe par eux, comme je dis, des lodo fait chance d'y aller. Tout ça là n'a pas été arrivé du jour au lendemain. Tu prends quelques années, tu en as beaucoup critiqué à l'époque, quand mon gouvernement ne fait pas ma décision. Nous, mon adversaire politique, tu peux mettre bâton dans la roue systématiquement, pareil comme je peux faire aujourd'hui. Et là, moi, je vais faire un rappel. Ça m'a dérangé. Ils ont dit, ils voulaient faire ou quoi, les grands défenseurs, le peuple. Quand pas tiens à manger, pour le monde, quand ils disent, je ne peux pas où, mange manioc, patate. Moi, je n'ai pas le courage. Moi, je vais négocier avec Taïwan pour faire gagner du riz. Gratis, livré ici, sans nous dénoncer pour sauver la situation, pour sauver sa population de la famine. Alors, dit beaucoup de monde oublié ça. Ça m'a dérangé critiquement, parce qu'il y a un accord avec la cible communiste, mon parti a un droit à Taïwan. Mon parti a le droit d'accepter du riz. Alors,
pour lui, la moralité, c'est de laisser le peuple crever. C'est ça son moralité. Et alors, il dit, votre frère ou quoi? Il s'est dit qu'il est grand défenseur du peuple. C'est lui qui a proposé l'élection pour prendre la tête du gouvernement. Et lui qui pousse en ce pays-là. Quel hypocrite. Quel farceur. Azodine est complètement décrédibilisé. Azodine vit dans un grand menteur. C'est ça qui dérange l'indépendance. Moi, je me demande qui dit bon pour faire lui confiance. Par exemple, ça l'autre. Bouk qui appelle la Navinamoula. Après tout le dégât qu'il y a fait dans ce pays-là, il peut dire où il peut revenir. Mais moi, je vais aller continuer à rêver toi. Récemment, on s'est fait lire dans le journal que Paul Béranger dit qu'il n'a même pas tiré un miracle économique, comme moi, je fais mentionner. Ça n'a pas étonné moi du tout, parce que Béranger a l'habitude d'écrire et réécrire l'histoire dépendant des bonnes circonstances dans lesquelles il trouve lui-même. Ça même Béranger, tu peux mettre tout qualité bâton dans la roue, quand où le peuple, où tu peux travailler ensemble avec le gouvernement pour bâtir sa vraie nation mauricienne qui nous y réveille au moment de l'indépendance. Aujourd'hui encore, c'est même Béranger qui peut critiquer la nuit des jours. Tout ce que le gouvernement peut faire n'est pas bon pour lui. Juste les tout seul qui est la solution. Monsieur là, Dieu, il est révolté. Il en met à dire. Il va faire la leçon à tout le monde. Mais aujourd'hui, quand Béranger causait les peuples qui révoltaient. Parce que Béranger n'est plus et n'a aucune crédibilité, comme moi je peux dire. Hier, il s'est associé avec Navin Ramblan, sa même Ramblan, qui finit faire crime avec nos pays. Priorité Béranger, Léala, n'a pas dit les peuples. Sa priorité, c'était son ambition. Pour une première ministre, pour 5 ans. Il était pressé pour une première ministre. Il était même dit, bizarre, ban crime, n'a pas mais il est vivant. Blier le passé, il est vivant. À la philosophie, Paul Béranger. Alors, dit, Béranger, dernier du monde, pour venir monter nous les doigts. Encore moins, ça l'autre là, n'a pas mis là. Après tout fracas qu'il vient faire comme Premier ministre, après que la population qui découvert son vrai visage, il y en a tout père qui me présente lui comme ange. Il dit où il peut revenir comme Premier ministre. Et vous connaissez où, qui à chaque fois parti travailliste vient au pouvoir, le pays vient reculer, l'économie vient souffrir. Et la population du pays n'est pas cassée.